J'ai choisi de traiter le sujet numéro 1 intitulé Internet au bureau, ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, publié sur le site internet www.lefigaro.fr, daté du 16 avril, 2010, écrit par Marie Bartnik. D.N. cet article l'écrivaine aborde le sujet de l'utilisation de l'Internet au bureau pour les raisons personnelles aussi bien pour les raisons professionnelles. Selon l'article, la plupart des travaux comptent sur la disposition d'Internet. Alors, suite à la lecture de votre article, je me pose une question que l'utilisation de l'Internet est-il applicable au bureau. Afin d'adresser cette question, on verra à premier lieu les avantages de l'Internet en discutant les applications. Puis, je discuterai les inconvénients de cela. L'Internet est devenu un outil indispensable dans le monde professionnel, permettant de faciliter les tâches quotidiennes des employés et des entreprises. Tout d'abord, l'Internet permet de gagner du temps dans les tâches administratives. Grâce à la messagerie électronique, les employés peuvent communiquer rapidement avec leurs collègues, partenaires commerciaux ou clients, et ainsi échanger des informations ou des documents en un temps record. De plus, les outils de collaboration en ligne tels que les agendas partagés, les tableaux blancs virtuels ou les plateformes de travail en équipe facilitent grandement la coordination et l'organisation du travail au sein de l'entreprise. Ensuite, l'Internet est également une source inépuisable d'informations. Les employés peuvent se documenter facilement sur des sujets professionnels en consultant des sites spécialisés, des forums ou des blogs. Les moteurs de recherche permettent également de trouver rapidement des réponses à des questions spécifiques, ce qui facilite la résolution de problèmes et peut faire gagner un temps précieux. Imaginons que vous travaillez dans une entreprise de marketing et que vous êtes chargé de préparer une présentation sur les dernières tendances en matière de publicité en ligne. Vous devez trouver des informations fiables et pertinentes pour alimenter votre présentation. Grâce à l'internet, vous pouvez facilement trouver des sites spécialisés dans le marketing digital tels que Adweek, Marketing Land ou Social Media Today, qui proposent des articles de qualité sur les tendances actuelles du marché. Vous pouvez également consulter des forums ou des blogs tenus par des experts dans le domaine qui partagent leurs connaissances et leurs expériences. Enfin, l'internet permet également de travailler de manière plus flexible. De nombreux outils en ligne tels que les logiciels de visioconférence ou les espaces de stockage cloud permettent de travailler de manière délocalisée, ce qui peut être très pratique pour les employés qui travaillent en télétravail ou qui sont en déplacement. Cette flexibilité permet également d'améliorer la qualité de vie des employés et de réduire le stress lié au travail. Par exemple, vous pouvez utiliser un logiciel de visioconférence tel que Skype ou Zoom pour organiser une réunion avec vos collègues basés dans d'autres pays. Vous pouvez partager des documents en temps réel, discuter des tâches à accomplir et échanger des informations importantes pour le projet en cours. Grâce à ces outils, vous pouvez travailler efficacement en équipe, même si vous êtes géographiquement dispersé. L'Internet offre une grande variété d'outils de communication, tels que les emails, les messageries instantanées et les réseaux sociaux professionnels, qui permettent aux employés de rester en contact facilement avec leurs collègues et leurs clients, où qu'ils soient dans le monde. Cette communication rapide et efficace permet de faciliter la collaboration et de résoudre rapidement les problèmes, ce qui peut augmenter la productivité et la satisfaction au travail. Au contraire comme chaque médaille a deux côtés, voici quelques inconvénients potentiels de l'utilisation de l'Internet au bureau. Premièrement, l'utilisation excessive de l'Internet peut entraîner une perte de temps et une baisse de la productivité. Les employés peuvent être tentés de surfer sur des sites non professionnels, de naviguer sur les réseaux sociaux ou de consulter leur messagerie personnelle pendant les heures de travail, ce qui peut réduire leur concentration et leur efficacité. Imaginons qu'un employé est une échéance imminente pour un projet important. Cependant, il est distrait par la présence de son smartphone sur son bureau et commence à consulter régulièrement les notifications de ses réseaux sociaux. En peu de temps, il est aspiré dans le fil de nouvelles de son réseau social préféré et perd ainsi des heures précieuses qui auraient pu être consacrées à la réalisation de son travail. La conséquence directe de cet abus de l'Internet est une perte de temps et une baisse de la productivité de l'employé, qui peut ensuite impacter les performances de l'entreprise dans son ensemble. Deuxièmement, l'utilisation de l'Internet peut également entraîner des problèmes de sécurité. Les employés peuvent être tentés de télécharger des logiciels ou des fichiers malveillants qui peuvent endommager le réseau de l'entreprise ou compromettre la sécurité des données sensibles. Les attaques de phishing et les tentatives de vol de données peuvent également constituer une menace pour la sécurité de l'entreprise. À titre d'exemple, un employé reçoit un email suspect prétendant provenir de sa banque et lui demandant de fournir ses informations de connexion. Ne sachant pas qu'il s'agit d'une attaque de phishing, il fournit ses informations de connexion et les criminels peuvent ainsi accéder à ses informations financières. Cependant, l'employé utilise également son ordinateur professionnel pour accéder à ses comptes bancaires personnels, ce qui signifie que les criminels ont également accès aux informations de l'entreprise stockées sur l'ordinateur. Cela peut mettre en danger la sécurité de l'entreprise et des informations sensibles peuvent être compromises. Les entreprises doivent donc mettre en place des politiques de sécurité et des programmes de formation pour sensibiliser les employés aux risques liés à l'utilisation de l'Internet. Enfin, l'utilisation de l'Internet peut également entraîner des problèmes de santé, tels que des douleurs au cou, au dos ou aux yeux, en raison de la position assise prolongée et de l'exposition à l'écran. Les employés peuvent également être tentés de travailler trop longtemps devant leur écran, ce qui peut entraîner une fatigue oculaire, des maux de tête et des problèmes de sommeil. Par exemple, un employé travaille sur son ordinateur pendant de longues heures sans prendre de pause. Il se penche en avant pour mieux voir l'écran, ce qui entraîne des douleurs au cou et au dos. Ses yeux deviennent fatigués à force de regarder l'écran, ce qui peut entraîner une fatigue oculaire et des maux de tête. Cela peut également perturber son sommeil, ce qui peut affecter sa santé globale et sa capacité à travailler efficacement. Les employeurs doivent prendre des mesures pour prévenir ces problèmes de santé liés à l'utilisation de l'Internet au bureau, en encourageant les pauses régulières et en fournissant des équipements ergonomiques pour réduire la fatigue physique. L'utilisation de l'Internet peut également entraîner une dépendance à la technologie et une baisse de l'interaction sociale. Les employés peuvent être tentés de passer trop de temps en ligne, au détriment des interactions en face-à-face -face avec leurs collègues et leur environnement de travail. Cela peut réduire la capacité des employés à communiquer efficacement et à résoudre les problèmes en équipe, ce qui peut affecter la performance de l'entreprise dans son ensemble. De plus, l'utilisation excessive de l'Internet peut contribuer à la dégradation de la santé mentale, telle que l'anxiété et l'isolement social, ce qui peut avoir un impact négatif sur le bien-être des employés. En conclusion, L'Internet est un outil extrêmement utile et pratique pour les entreprises, offrant de nombreux avantages tels que l'accès facile à l'information, la flexibilité de travail et la communication rapide et efficace. Cependant, il est important de reconnaître qu'il existe également des inconvénients associés à son utilisation, tels que la perte de temps et la baisse de productivité, les problèmes de sécurité et les risques pour la santé. Pour maximiser les avantages de l'utilisation de l'Internet au bureau, les entreprises doivent mettre en place des politiques de sécurité claires et fournir des programmes de formation pour les employés. Il est également important de prendre des mesures pour prévenir les problèmes de santé liés à l'utilisation prolongée de l'ordinateur. En équilibrant les avantages et les inconvénients de l'utilisation de l'Internet, les entreprises peuvent tirer le meilleur parti de cet outil tout en minimisant les risques potentiels pour leurs employés et leur entreprise.